Bonjour Christinotte. Bonjour Alain. Merci vraiment de nous accueillir dans votre lieu de travail. Bon, ça fait un petit bout de temps qu'on avait envie de vous rencontrer, parler un peu de musique, de composition. Et il y a une occasion qui est trop belle. C'est la reprise d'un ciné-concert qui repart en tournée. Qui est un ciné-concert, on va le regarder, on va se lever d'ailleurs. Très bien, un plaisir. Dites-nous. Le thème, pendant qu'on regarde l'image. C'est mon amour. Il s'agit de l'hôtel Mon amour. Donc, quatre courts-métrages de Lotte Reininger, donc, qui datent entre les années 28 et 50. Donc, j'ai fait un choix donc après un coup de cœur énorme au musée de Tübingen, où j'étais allée pour un festival de films. Et j'ai découvert le travail de Lotte Reininger et voilà, j'ai été tout de suite happée par la délicatesse, le détail de son travail. Et donc j'ai visionné une trentaine de courts-métrages pour en faire un choix visuel, musical. Voilà. L'idée, c'était bien sûr de voir énormément de choses. Et puis d'avoir une palette donc de sur ces contes et légendes, et puis de après le choix s'est fait aussi beaucoup par rapport à avoir des univers très différents et d'époques différentes, puisque trois de ces courts-métrages sont finalement parlant entre guillemets, avec une espèce de récitant, mais comme ce sont des contes et légendes, il n'y avait aucun problème à donc, les rendre muets finalement. Et puis, donc c'est l'extrait musical fait partie du dernier court-métrage donc, qui s'appelle Die Jagd nach dem Glück, et qui a une histoire assez espiègle, puisqu'il s'agit d'une fée qui est capable d'aller par de là le monde et de décider d'où elle va donner et où reprendre le bonheur. Donc voilà. On replace un tout petit peu la cinéaste Lotte Reininger, oui. Donc cinéaste en Allemagne dans les années 20, puis partant d'Allemagne pour aller en Angleterre, etc. Tout à fait. Elle fait des courts-métrages donc sur une technique très particulière qui sont des figures d'ombre. Oui, du découpage très, très, j'allais dire laborieux dans le très beau sens du terme, qui est d'un travail inouï. Et puis, c'était vraiment quelqu'un d'avant-gardiste, également, elle travaillait avec Monsieur Corr et elle travaillait avec son époux également. Et donc, ils étaient trois. Dont un ami à eux et également, dont j'ai oublié le nom là, mais qui travaillait sur les effets spéciaux. Et c'est intéressant de savoir que des gens comme Michel Oslo actuellement s'inspirent de son travail et qui est son travail qui était très moderne pour l'époque, justement notamment avec tous ces effets spéciaux qui étaient, oui, vraiment avant-gardistes pour l'époque. Alors, pour les gens qui s'intéressent au cinéma et au théâtre, elle fait partie de la bande un peu du cinéma et du théâtre expressionniste. Elle était dans la bande des Paul Wegener, au théâtre aussi. Et on voit très bien quand on regarde ses films, il y a le côté ombre et lumière à cause du noir et blanc, évidemment. Après, elle s'en éloigne vraiment du cinéma expressionniste, parce qu'il y a une féerie, il y a une fantaisie qui lui est très très propre et qui lui est vraiment singulière. C'est un univers incroyable. Oui, ouais, très 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 personnel. Et oui, elle a vraiment, j'allais dire, elle a un coup de ciseau incroyable qui lui est vraiment propre. Et ouais. Après, là aussi, elle était très mélomane. Elle a travaillé également beaucoup, beaucoup sur des opéras de Mozart, Zauberflöte, etc., qu'elle a mis en image. Et effectivement, comme tu le mentionnais, elle a dû partir à l'époque de la guerre. Ils ont fui le régime nazi, puisqu'ils étaient d'origine juive. Et elle est partie se réfugier en Angleterre.
Et là, elle a eu une opportunité incroyable puisqu'elle a rencontré la reine d'Angleterre et elle a pu, la reine d'Angleterre qui a vraiment, comment dire, mis son travail en avant et lui a donné un contrat presque à vie qui lui a permis de développer son art, en fait. Alors vous, vous êtes compositrice, vous êtes musicienne. On vous a entendu tout à l'heure à l'un des instruments de prédilection qui est le piano. Il y a un autre instrument qui n'est pas là ici, qui sont les ondes Martenot. J'aimerais qu'on reste à l'idée de la composition. Vous travaillez sur des albums, vous travaillez sur des collaborations de chansons, de rock, de pop, de musique classique, de musique contemporaine. Et il y a cet amour profond pour le cinéma et pour les ciné-concerts. Je me souviens d'un tabou de Murnau sur lequel vous aviez fait une musique absolument magnifique. Il y a eu Nanook de Flaherty il n'y a pas si longtemps. Cette fois-ci, Lotte Reiniger, composé pour le cinéma et composé pour vos propres chansons, c'est très différent. Oui, c'est différent. En fait, très différent, non, parce que le travail originel est le même, c'est-à-dire que mon travail de composition part de l'improvisation. Ça reste une démarche qui m'est totalement propre. Je recherche à retrouver finalement, c'est l'instinct qui parle, la spontanéité. Après, l'origine du travail est la même, puisque donc c'est cette improvisation qui va se construire. Quand l'improvisation d'elle-même, on sent qu'elle va naturellement se structurer. Il y a des improvisations où on sent que voilà, l'idée est belle, mais et, voilà, on ne va pas forcément la retenir. Et d'autres qui commencent au fur et à mesure à s'installer viscéralement même en soi et qui va se construire au fur et à mesure. Là où la composition va différer, c'est que quand on compose pour des morceaux, pour un album, etc., il y a cette liberté qui est totale d'aller vers le sentiment ou l'idée qu'on veut développer. Je parle là, par exemple, d'idées, puisque je pense au morceau Disaster sur Only Silence Remain, où il y a un texte aussi à l'appui et je véhicule une pensée très forte qui est celle de ma sensibilité par rapport à la nature et ce qui se passe autour de nous actuellement. Mais alors, par rapport à un film, c'est j'ai envie de dire que ma liberté va être canalisée et guidée par l'image. C'est-à-dire que pour moi, le fait de travailler à l'image, c'est comme de suivre quand même, quelque part, un chef d'orchestre. Ça, bien sûr, ça reste ma musique et ma personnalité, mais j'essaye de... mon premier souci, c'est de pas surligner, de pas écraser le film, comme je le vois des fois dans certains ciné-concerts, où j'ai l'impression que certains musiciens, finalement, se servent des images pour habiter une musique qui est finalement des fois en décalage avec l'image. Et ça me gêne profondément de se servir de l'image. Ça, je peux vous garantir qu'en tant que spectateur, j'ai exactement la même sensation que vous. Et ce que j'aime dans votre approche, c'est qu'à chaque fois, l'image a sa place, a sa force. Vous n'êtes jamais dans l'illustration musicale, mais vous donnez juste la bonne altitude pour pouvoir dialoguer avec l'image et la musique. Et qu'il n'y a pas de combat entre l'un et l'autre, il y a un dialogue qui s'installe, et dialogue dans lequel moi, en tant qu'écouteur, j'ai ma place aussi. Et on n'est jamais, jamais, jamais dans l'illustration musicale. On est toujours dans quelque chose qui est de l'ordre de la mise en sensation et en sensibilité des œuvres. Alors, ça me touche beaucoup ce que vous dites, parce que c'est vraiment... c'est quelque chose de très important pour moi, de pas... Oui, d'avoir cette alchimie, d'essayer de rechercher cette alchimie et non pas parce que c'est tellement facile d'être trop bavard ou de prendre trop de place. Et je pense que les meilleurs, enfin pour moi, ce qui me touche, des fois les gens sont gênés et viennent me voir en disant mais finalement
c'était beau, mais on vous a oublié. Et je trouve que c'est magnifique. Pour moi, c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que la musique se noie dans les images et voilà, elle n'est pas. Voilà. Donc je pense que ça, c'est important. Et ce que je pense aussi, ce que j'aime et ce que j'essaye d'enseigner dans mon atelier musique à l'image, c'est que finalement, quand on me demande une. Ça ne m'est pas arrivé très souvent, mais si on me demande une création et on me dit ah oui, mais là, vous êtes spécialiste d'Onde Martenot, on veut des Ondes Martenot, je réponds je ne sais pas. Parce que, donc en ça aussi, c'est différent. Quand je compose, naturellement, pour un album, j'entends dans ma tête tout ce qui se passe, certaines lignes, même si je compose, j'improvise donc tout au piano au départ, j'entends certaines lignes, je me dis là ça peut être des ondes, là ça peut être des cordes, là ça peut être. Après, bien sûr, on n'a pas toujours l'occasion d'avoir, de faire ce qu'on veut sur la finalité, mais j'ai tout en tête et j'entends vraiment l'orchestration, les timbres. Pour un film, c'est le film lui-même. Son scénario qui va déterminer les sons que j'ai en moi. Donc par exemple Nanouk, je sais que une semaine avant les représentations, j'ai des professeurs qui m'ont appelé, ah donc vous allez faire des Ondes Martenot, et j'ai dit pas du tout, Nanouk c'est le Grand Nord, j'ai voulu par rapport au film, c'était plus des passages de piano, de toy piano, des percussions, j'avais envie de choses totalement acoustique, et les ondes ne sont pas, je les ai pas entendues, donc c'est pas systématique, et je trouve ça c'est un peu dommage, des fois tout est un peu formaté comme ça, et j'essaye de continuer à des fois mettre en danger. J'entends des instruments, par exemple sur Nanouk, j'utilise le ukulélé à un moment donné, ou ma voix. C'est peut-être des instruments sur lesquels je suis plus en fragilité, mais que j'ai entendu, que j'ai envie de réaliser. Par exemple, la kalimba ou le ukulélé sur des petites scènes où un enfant dans le Grand Nord apprend à sculpter dans la glace. Il va sculpter, c'est jouer à lui, un petit ours en glace, etc. Et donc, tout est vraiment insufflé par l'image et le film. Donc, en ça, pour moi, c'est très différent. Et quand je commence à visionner un film et que je m'y attache, je ne sais pas forcément tout de suite ce que je vais utiliser. Ça, c'est au bout de 10... comment dire, divisionnage du film, où je commence à entendre des choses, ou voilà. Donc. Et pourtant, quand je regarde rétrospectivement, je me dis que là, il y a un triptyque qui se dessine entre Tabou de Murnau, Nanouk de Flaherty et ces petits films courts-métrages de Lotte Eisner, je savais que j'allais le faire. Lotte Reiniger. Lotte Eisner était une autre grande dame, mais qui était plus dans la cinéphilie et dans du cinéma expérimental et dans du cinéma expressionniste, pardon, Lotte Reiniger. Ce sont trois univers où il est question de paradis perdu, où il est question de quelque chose qui est perdu. Vous parliez du film de Lotte Reiniger, Die Jagd nach dem Glück, la course après le bonheur, on va dire. Dans le film Tabou, c'est l'amour confronté au Dieu, au sacré et à ce qui est interdit, le tout dans un paradis magnifique en Polynésie. Nanouk, c'est le Grand Nord et la survie au quotidien. Il y a quand même toujours ce côté de quelque chose qui est perdu. Et il y a dans votre musique, dans vos compositions, une des choses qui me touche beaucoup, c'est cette mélancolie profonde. Je crois qu'en Angleterre, j'ai rencontré un musicien qui est venu nous écouter. Je jouais en solo, au piano aussi, et ensuite on a joué donc le duo avec Mathieu Gabry sur Snowdrops. Et il y a un musicien qui est venu m'offrir son disque, et on a parlé après le concert, et il m'a dit une chose qui rejoint ce que vous dites. Il m'a dit, je trouvais ça très très beau, il m'a dit, si je devais dire quelque chose à propos de votre musique, et il m'a dit, je dirais « beautiful sadness ». Et je trouvais ça très très beau, ouais. Ouais, il y a
Ben, il y a tellement de formes de tristesse, il y a des tristesses joyeuses, et il y a des mélancolies joyeuses ouvertes aux autres, et vos musiques, vos compositions en font partie. On donne rendez-vous aux gens pour L'hôte mon amour, en version ciné-concert. Oui, avec plaisir, dans un endroit insolite, assez insolite et magnifique, très beau. Le château de Lunéville pour la prochaine représentation, le 1er juillet. À 16 h. Et puis, vous avez accepté, comme on est dans votre caverne. Donc je disais, il n'y avait pas les ondes Marteneau qui étaient ici, mais il y a un instrument que vous allez nous présenter, qui est un instrument que je ne connaissais pas. Je pense que c'est tout à fait normal parce que peu de gens le connaissent puisqu'il a été inventé il y a très très peu de temps, peut-être 6-8 mois, et il est encore à l'état expérimental. Donc c'est un instrument qui vient du Japon. On peut se rapprocher? Oui, bien sûr. C'est Tadahiro et qu'il a créé. Il faudra que je vous donne son nom exact Ouais. tout à l'heure parce que je ne vais pas faire de bêtises. Et c'est une magnifique rencontre. On l'a rencontré à la Frankfurt Musical Messe et on a eu la chance d'essayer cet instrument. Donc on peut les appeler Rhin Bells. Et en fait, c'est l'expérimentation donc de. Je vais me glisser derrière vous Oui, juste pour des questions de lumière. je vous en prie. Hop. Et c'est l'exploitation donc de cloches. Qui sont ici reliés pour nous à un clavier et donc qui permettent de ce jeu de cloches donc Tadahiro travaille en work in progress pour faire évoluer son instrument. Il pensait au départ pas du tout en faire un instrument de musique forcément, mais quand il l'a présenté au Japon, les gens ont été extrêmement touchés et lui ont dit vraiment il faut faire quelque chose. Et toujours ce goût chez vous de l'expérimentation, de trouver, de chercher des sons, de composer à partir de cette Oui, matière j'aime beaucoup. première. Oui, j'aime beaucoup la recherche sonore et essayer de trouver des timbres un peu particuliers ou même utiliser un instrument, mais en le déviant parfois de ses sons. Ouais. Donc là, c'est pour moi aussi expérimental, mais je vais vous faire entendre. Donc avec une résonance magnifique. Et je pense, j'ai quelque part en tête que peut-être si j'avais découvert cet instrument, j'aurais peut-être pu l'utiliser avec grand bonheur sur L'hôte mon amour, puisque dans certains courts-métrages, il y a vraiment des ambiances très, très féeriques, comme vous le disiez. Ouais. Peut-être pour une prochaine création. Prochaine création, Oui. prochain album. Pour l'instant, on envoie les gens aller écouter et regarder L'hôte mon amour. Et puis toujours ce magnifique disque sorti il y a à peine 2 ans qui s'appelle Only Silence Remains. Christine Hutt, merci beaucoup. Merci à vous. Bon travail et à très bientôt. À très bientôt. Merci.